Ici, nous sommes rendus à Saint-Jean-des-Piles, chez Claude, sur son nouveau terrain de 120 000 pieds carrés. Ça part du poteau électrique là-bas, la haie, puis ça s'en vient par ici. Ça, c'est l'entrée principale. Et puis ça, c'est notre camping. Et puis ça, c'est là où il y a les pins, c'est la fin du terrain. Ça, c'est la vue qu'on a de notre d'Alvier Saint-Maurice de la roulotte. La machinerie qu'on entend, on est prêt à faire une clé pour empêcher que Claude investisse tout son argent dans son trou financier qui est ça ici. Fait que ça ici, Claude appelle ça son trou financier. Fait que là, la grue est embarquée sur une barre. Il se trouve à faire une tranchée. Dans la tranchée, il dépose des roches pour faire une plaie, pour empêcher un nouvel éboulis. Ça, c'est la vue sur la rivière Saint-Maurice. Les gars sont en train de s'installer pour surfer de la pierre. Et les camions sont venus domper il y a quelques temps. Et Claude regarde là où son argent s'en va. Ça, c'est le chemin qu'il a fait faire pour que les camions puissent les domper. Il appelle son nom de route. On va finir juste là.
Où est Daniel? Dans la côte, il se trouve avoir planté 365 arbres ou arbustes. Daniel est en bas. Elle admire le coup d'œil, là où elle investit son argent. Elle a réparé la côte ce matin parce qu'il y a eu des pluies. Il y a eu quelques veines dedans. Les arbustes sont bien pris. La deuxième opération, il va commencer. La barge est pleine de roches. Ils s'en viennent se stationner. Daniel qui surveille son investissement. Je suis à peu près à 40 pieds au-dessus de Daniel ici. Ah, c'est le fun parce qu'il va tout nettoyer. Là. Mm-hmm. Ça, je suis allé faire mes affaires avec la famille. Mm-hmm. Avec un monsieur. Là, il dit ouais, ils avaient un maudit beau, une maudite belle entrée, puis l'équipe. Je dis ouais. Il dit ouais, que le bateau, il dit pour que le bateau, il se le quai. Je sais qu'il avait mis son quai, là, c'était placé l'année passée, que j'ai offert. Il dit moi, de toute façon, cette année, je suis pas là. Si vous voulez le sortir cet automne, là, puis le laisser là pour l'hiver, il n'y a pas de problème. Ça les rapports, ils étaient bien gentils. Je dis oui, oui, je vais le faire. La prochaine fois, il ne signera pas la pétition. Non, je comprends. Ouais. Je ne sais pas s'il l'a signé, là, en tout cas. Il va s'accrocher après la roche, je vais envoyer là-dessus. Oh, my God.
Là, Daniel devrait regarder ce qu'elle met son argent. Il y en a une big là. Ouais. Ah, voyez-le. Ici, nous sommes rendus à Saint-Jean-des-Piles, chez Claude et Daniel. Très bel emplacement. Nous tenions dans l'arrière et des compagnons qui travaillent pour Claude pour faire cette clé dans la côte. Ce matin, Claude est sur la barre. Il vient de ramasser un arbre. On dirait que l'arbre est pris dans le fond. Il faut qu'il l'amène au bout de l'autoroute. On va se rendre là. Et c'est le camping de l'autre. On va se rendre à l'autoroute. Cette boîte trop fâche, mais M. Veillette est venu couper hier. Il s'est amusé à la sortie du trou. Ça, c'est l'entrée de l'autoroute.
Boule est venu un matin réparer le chemin. Daniel a été faire une croisière sur le Saint-Maurice. Font des chaluts. Après trois jours de dur labeur, les gens de la barge quittent le chantier de Claude et Daniel pour se rendre à un futur travail à grand-mère. Est-ce que Mme Depoux est satisfaite de son travail? Très satisfaite. Très satisfaite. Ça aurait pu être plus rapide, mais ça. On en parlera un autre temps. C'est à négocier avec Dieu le Père, c'est René. Mais c'est pas moi qui négocie. Il est pendu à son téléphone. Tu fais un diaporama? Non, je filme. Hey, la rivière est belle à soir, là, pour ça. Après, super votre calme. Hein? Nous sommes le 23 juin 2002. 11h35. Nous sommes au camping chez Claude et Daniel. Le même camping que l'an passé. Mais il y a eu des changements. Nous allons voir la côte, puisqu'ils ont planté des arbustes l'an passé. Pour voir la différence. Ça, c'est le campeur de cette année. Il y a quelques nouvelles fleurs.
Il est gay. Et la côte est verte. Jusqu'en bas. C'est différent de l'an passé. Il y a une chose de plus cette année. Un gros tas de terre. La résidence de M. Claude, la résidence temporaire de M. Claude et Daniel, la nouvelle auto, tant qu'à faire le tour du propriétaire, on va aller voir la tête de puits. On a commencé à déménager certains équipements. La tête de puits qui mesure 24 étages de bas, pas de haut, de bas, 242 pieds. Et enfin, le solage du nouveau domaine Claude et Daniel. Le garage double. L'entrée du garage de côté. Et le derrière la maison. Général du solaire. That's him out of here, oh. Nous sommes rendus à l'étape du remplissage du solar.
voyage de terre de roche, de sable qui vont arriver, là. Ça va, ils vont voir comment ça.